Hello les gens, ici c'est Shadowa et Amy, on se retrouve aujourd'hui pour un 14e épisode sur Ni No Kuni 2. Incroyable du cul. Incroyable du cul, et je t'encourage du coup à sortir de la grotte. La dernière fois on l'avait fait, le labyrinthe de l'imaginaire, qui était pas tant que ça dans notre tête, visiblement. Parce qu'on était quand même rentré, on était rentré sous une porte, au milieu d'une grotte, voilà, il y avait rien de l'autre côté et tout s'était bien passé. Mais bon, c'était une porte, voilà. On avait pris de la drogue. Tout simplement. Et du coup, parce que de base, on n'était pas du tout venu faire le labyrinthe, hein, la dernière fois, on était allé chercher, du coup, l'éponge magique de Monsieur Prop, de Tati Gretchen, du coup, qui permet de nettoyer n'importe quelle tâche, même les plus tenaces. Difficiles, les plus tenaces. C'est là où tu peux ressortir tous les trucs de pub, genre. Vanille chez les tâches, c'est vanille, tu vois. C'est là ? Oui, il y a plein de trucs. Non, mais oui, mais on s'en fout, c'est de la merde. On s'en fout des carottes, on s'en fout. Parce que là, il y en a vraiment sur toute la zone, en fait. C'est de la merde, connard, va ! Mais c'est de la merde ! C'est un œuf. Il est méchant. Genre, on va avoir une ferme, on va mettre quelqu'un dedans et on aura des œufs. J'ai ton éponge. Yo, bitch. L'éponge miraculeuse. Oh, merci beaucoup, mes petits choux! Je vais pouvoir faire briller à nouveau ma marmite et ajouter d'autres joyeux petits mousses à ma grande famille. Allons, mes chéris, soyez sages et gardez bien la maison en mon absence, d'accord? Ah, mais elle les laisse ici! Voilà, mon petit Evan, comme promis, je fais mes valises et je pars m'installer dans ton royaume tout de suite. Voilà, ma canne, ma couperage. C'est d'ailleurs en train de danser. Première mission! Tati Gretchen a rejoint Espérance. Félicitations! Tati fait maintenant partie de la famille. Voilà donc votre château. Ça m'a toujours l'air d'être un endroit agréable à vivre. Ravi d'entendre que ça vous plaise. Encore merci d'être venu nous aider. C'est moi qui te remercie de m'avoir convié, mon garçon. Si tu veux confier du travail à Gretchen, n'oublie pas que c'est depuis ton trône, ou en appuyant sur la touche triangle. Bon, bah, je vais aller me dégourdir les grands bêtes. Hein. Appelez-moi dès que vous aurez du travail pour moi. Les gambettes. Si vous me cherchez, je suis derrière les fagots. Oh. Ou dans les orties. Evan, il y a encore quelque chose dont j'aimerais te parler. On peut pas recruter les vieilles, tu sais. Viens me voir dès que tu peux. Mm. D'accord. Je suis là. Bonjour. Oui. Je suis là. Ah. De quoi tu veux me parler, Roland? Tout d'abord, convoquons tout le monde. Ah mais d'accord. Tu fais chier, hein. Je croyais que tu voulais me parler à moi, pas à tout le monde. Eh bon, qu'est-ce que tu veux, hein? C'est que je suis un gardien vachement occupé, moi. Vu son regard, bien sérieux, ça m'a l'air. Bien vu. L'aveugle. Comme vous avez pu le constater, Espérance prend forme. Le château a été construit, les bâtiments aussi, entre autres. Mais pour être franc, ce royaume n'a toujours pas d'ossature. C'était qu'une coquille vide. Que veux-tu dire? Ce royaume ressemble à une population... Attends, ressemble une population plurielle. Pour le représenter, nous devons lui trouver un symbole. Un symbole? Oui, un cap. Le cap de Bonne Espérance. Oui, un symbole qui rassemble, qui ressemble... Attends, qui nous ressemble, qui rassemble et qui illustre nos objectifs. Mais c'est quoi l'objectif? Quelle valeur le royaume présente-t-il? Que défend-il? Où se dirige-t-il? Il bouge pas beaucoup. Un royaume sans symbole n'est pas un royaume. Je propose un drapeau avec des petites étoiles et des bandes. Le symbole d'espérance. C'est toi un le sourire. Roi. Comment envisages-tu ton royaume? 1 million de sourires. Quel genre de royaume veux-tu bâtir? Un royaume de sourires. J'imagine un royaume aux 1 million de sourires. Du coup, on va mettre un sourire. Je comprends bien que c'est ton idée de base, mais... Est-ce que tu peux être plus compris? Parce que c'est un peu con quand même, tu sais. Oh, je sais. Je veux bâtir un royaume paisible, sans guerre. C'est plus compliqué que ça en a l'air, hein, tu sais. Ah pardon, c'est Soran. Personne fait la guerre par plaisir. Sauf les gens, les Américains qui aiment l'argent. C'est comme nous avec les vivres, tu vois, hein, tout le monde ne peut pas être d'accord. Faudra un miracle pour effacer tous les conflits. C'est malheureusement vrai. Je vais essayer. Je veux bâtir un royaume sans guerre et ce sera le symbole d'espérance.
Oh putain, tu m'as l'air bien décidé. Tu m'as l'air bien décidé, gamin. Oh, qui lance ainsi, on court droit à notre perte. J'avoue ne pas être très familier avec les pays aux alentours, nous ferions mieux de nous en renseigner. Dans ce cas, à la bibliothèque d'Irma, vous devriez vous rendre. De nombreux écrits et représentations sur l'histoire du monde entier, vous trouverez. Je vois, devrions y trouver notre bonheur. Oui, allons y faire un tour. Fuck. Le symbole idéal. Mamie Gretchen, tu vas taffer, d'accord? Il est l'heure de t'occuper des boosts. Alors, vas-y, récupère l'argent des bas peuples. Donnez-moi votre gold fuck. Ah, il y a des matériaux aussi, du coup, maintenant. Ah oui, on doit récupérer des minerais, des champignons. Incroyable. Oui, on veut tout prendre. De l'eau bénite aussi. Parce que visiblement, le curé aussi devait travailler en ce temps-là. Main d'œuvre, on a Tati Gretchen. Bah oui, on sait. Justement, c'est ce qu'on veut faire. C'est dans Gestion du Royaume, je pense. Gestion du Royaume. La villa aux mousses. Donc, assigné. Tati Gretchen, spécialiste. Son expertise en mousse. Faut son expertise à la villa. Très bien. 90 en mousse, c'est pas mal. Viens, on peut lui faire des recherches. Parce qu'en fait, chaque bat, parce que la recherche est terminée. Terminée la recherche. La recherche sur les armes à longue portée sont terminées. Eh bien, je propose qu'on en fasse d'autres recherches. Toujours plus. Oui, si tu cliques dessus, pas de soucis. Et tu vas dans recherche. Et du coup, je pense qu'on peut voir pour une autre qui coûte pas cher. Pas 1300, une à 500 encore. Pas trop cher. Arme longue portée, c'est 1300 aussi. Parce qu'on a forge moins onéreuse. On peut faire ça. Arme de meilleure qualité, 3500, hyper cher. Sinon, on peut faire ça, hein. Sinon, pire. Hein. Allez. C'est parti. Et on peut faire une recherche aussi sur la villa aux mousses, du coup. Parce qu'en fait, les recherches, c'est par bâtiment. Et on peut prendre la première qui est à 150, franchement. Hop. Et voilà, ça prendra une minute aussi également. Qu'est-ce qu'on peut faire? Là, il y a l'armurerie, mais il n'y a personne dedans. On peut faire une recherche... Non, il n'y a pas de recherche ici, parce que c'est, il fait juste cuisiner. Magasin, il n'y a pas de recherche non plus. Peut-être que la scierie doit y avoir des recherches. Le truc de magie, on n'a toujours personne, mais à un moment donné, c'est de la magistère, peut-être. Ici, on peut peut-être faire des recherches. Non, on peut pas faire de recherche non plus. Oui, mais on n'a pas d'argent. Enfin, on n'en a pas beaucoup. La ferme, de toute façon, il n'y a personne d'assigné, donc ça sert à rien. On peut pas en faire. Et peut-être voir du coup, ouais, la scierie qui est tout en haut à gauche. Peut-être qu'il y a de quoi faire. Peut-être qu'on peut faire quelque chose. Non, c'est derrière en fait. C'est le truc qu'on voit quasiment pas. Voilà, le truc à gauche là. C'est ça. On a l'impression que c'est du décor. Et non, il n'y a pas non plus de truc. Donc tant pis. Écoute, tant pis. Retournez à la salle du trône. C'est bon. On a joué à SimCity, c'était bien. Eh ben du coup, je pense qu'on va aller à la bibliothèque. La bibliothèque. Je suis bourré. Ah non, mais je vois ça. Ouais, même plus que ça, hein, pour faire des tours complets sur toi-même. Je suis un peu paumé. Bah, c'est où la bibli? Ah ben la bibliothèque, je pense, de Irma, elle est pas... C'est pas là-dedans, hein. Je pense pas que ce soit là-dedans. Ce qu'on peut faire, c'est choisir la quête, parce que là, du coup, il va te garder, labyrinthe imaginaire tout du long. Donc, du coup, tu vas dans ici, là, et tu peux aller dans journal de bord. Hop. Et là, le symbole idéal. Vas-y, appuie dessus. La mission ajoutée au suivi, voilà. Rendez-vous à la... Ah, c'est à Gamblor. Gamblor. Eh ben, go to Gamblor. Non, c'est pas ça. Si, tu appuies. Faut appuyer. Vas-y. Toc. Et voilà. Comme ça, on peut aller à Gamblor. En bas. Gamblor. Devant le Feng Chien. Devant le Feng Chien ? Oui, devant le Feng Chien. Je suppose que c'est la bibliothèque, en fait, elle doit être à l'étage de l'auberge. Ou alors c'est le même endroit, peut-être. Je sais pas. Parce qu'on pouvait pas rentrer dans beaucoup de bâtiments à Gamblor, en fait. Genre quand la magistère, elle nous a dit « Ouais, j'habite à Gamblor. » Non, t'habites pas à Gamblor. Hein. Tu connais tout par cœur, t'habites pas à Gamblor. Ah non, du coup, ok, c'est par là-bas. C'est là-haut. Ah, mais du coup, il y a plein de gens, regarde, il y a plein de gens qui veulent faire des quêtes, du coup. Ça, c'est cool.
Alors du coup c'est à droite. Ah bah c'est le bâtiment là qu'on pouvait pas rentrer. Il y a la meuf qui nous parlait devant et qui disait non, je peux pas y aller. Il y a elle qui nous parlait et qui nous disait qu'on pouvait pas. Tu les as tourés j'imagine. Tous les recoins de la boule. Pardon. Du coup la bibliothèque. La bibliothèque. Bon je suppose que Madame Irma elle va être en mode. Silence in the library. We'll have no rubberneckers. Oh here. Mon dieu. Oh elle est dégueu. Ah non mais va falloir que je lui fasse une voix. Non. Non, tu lui fais la voix. Irma. Seul ceux qui possèdent une carte de membre de la bibliothèque peuvent y pénétrer. Et vu que c'est moi, la magnifique et unique Irma, qui distribue ces cartes, je sais très bien que vous n'en avez pas. Ah bon? Pourriez-vous nous en donner une? Nous souhaiterions consulter les archives pour en savoir plus sur l'histoire de ce monde. L'histoire de ce monde, rien que ça? Ça va vous faire beaucoup d'ouvrages, vous savez. Vos intentions sont aussi simples que vous êtes effrontées. S'il vous plaît, Madame Irma, nous voulons juste utiliser votre bibliothèque. Et une tête d'épingle de plus au tableau des simples. C'est pas ta jolie trône qui va m'attendrir, mon minet. Bon, puisque vous insistez, je veux bien faire une exception, à condition que vous me rendiez 3 services. Allez, juste ça, quoi. Passez me voir quand vous serez décidé. Et attention, une beauté ne sait d'attendre. Oh mon dieu, mais elle a une vieille tête de singe en plus, quoi. Écoutez la première requête de Madame Irma. Bien. Il y a 3 choses dont j'ai absolument besoin. Tout d'abord, il me faut une rose flamboyante. What? C'est une superbe fleur rouge très rare et semblerait que quelqu'un en ait vu une dans le coin. What the... Vous ne pouvez pas aller la chercher vous-même. Ça me paraît compliqué de cueillir une fleur. Hein. Ça me paraît pas compliqué plutôt. Et vous croyez qu'une bibliothèque se gère toute seule? Je n'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Et où se trouve cette fleur? Dans un endroit un peu au nord de Gamblor, en haut d'une falaise inaccessible à pied. Inaccessible à pied? Oui, bon, ce problème peut se régler avec le sort pont. Ah! Vous devez sûrement le connaître, c'est ce sort qui permet de révéler les ponts cachés. J'avais entendu parler. Ça y est, on va l'avoir. Bah voilà, on va voir le truc pour les ponts, la merde. Mais oui, bien sûr, qu'est-ce que j'imaginais? Bon, je vais seulement vous présenter quelqu'un qui peut vous aider. Jetlan. Une adepte très douée, allez la voir et recrutez-la. Elle vous aidera à maîtriser ce sort en un rien de temps. Elle va faire. Et hop, on va la prendre. Oh là, j'imagine que j'ai pas le temps de lire le texte. I'm sorry. No problem. Qui à Gamblor n'a pas entendu parler des exploits du roi Evan? Quoi qu'on en dise, votre royaume a gagné en popularité. Ça ne coûte rien d'essayer. Allons essayer de recruter cette Jetlan. Jetlan. Oui, voilà, et que ça saute. N'oublie pas ma rose flamboyante. Hein. Ça va être tellement chiant. Je me demande si elle est plus flamboyante que moi. Arrêtez avec cette animation, elle est dégueulasse. J'adore. Elle est dégueulasse. J'adore. En fait, on pouvait se balader dans la bibliothèque tranquille. On pouvait lire des livres. Elle peut pas lire des livres. Ah, bah, elle est juste à droite, quelle chance. Juste à gauche maintenant. Juste en fonction de la mini-carte. Mais là, si, c'est par là, Tu es sur le bon chemin. Elle est sur le pont. Elle maîtrise le sort de regarder l'eau. Coucou. Oh, c'est elle est toute mimi. Pas si vite, Evan. Madame Irma a tout raconté. Quoi, déjà? Quoi? Bah... c'est toi, Jetlan, mais l'adepte, mais je m'attendais pas à avoir quelqu'un d'aussi jeune. Tu es bien passé pour me dire ça, mais j'apprécie ton honnêteté. En parlant d'honnêteté, je dois avouer que la vie à Gamblor me déçoit profondément. Tout n'est que corruption et vice, je suis toujours sous le choc à propos du grand Manitoutou. Ce n'était pas vraiment sa faute. Je sais bien, mais ça ne change rien à mon ressenti. Vite fait, hein. Ah, et c'est pour ça que la vieille Irma t'a parlé de nous, je me trompe. Elle veut que tu viennes chez nous pour te changer d'idée, hein. C'est cela, après tout, Evan a remis le grand Manitoutou. Evan le grand Manitoutou sur le bon chemin. Avoir un roi comme ça, ça doit être pas mal. Puis bon, entre chien et chat, c'est mignon, ce toi. Ah bah ça alors. Dans ce cas alors. Oui, mais avant, tu veux bien aller éliminer 3 ostoplasmes pour moi? Je viendrai dans ton royaume après ça.
Mais qu'est-ce que c'est que ces gens qui demandent des trucs, quoi? Attends une minute, papillon, ma jolie. C'est quoi cette histoire? Je croyais déjà que l'affaire était dans le sac, moi. Je veux juste vérifier qu'Evan est un garçon. Est un garçon de confiance, honnêteté avant tout. Evan, le contrat Evan de confiance. Alors, oui, mais putain, on peut pas lire ce qu'elle propose parce que si ça se trouve, fallait aller à un endroit précis, quoi. Eh ben vas-y, va buter 3 autoplasmes. Go. Et c'est pas triché, hein. Non. It was not the bon bouton. Non mais c'est bon, hein, c'est déjà la quête qui est par défaut. Vas-y, clique dessus. Tu vois, il va te dire que... Allez, tiens. Et voilà, c'est moi qui dois aller chercher. Ah bah bravo, hein. Et tu sors du machin, et tu vas y buter. Moi, je vais dans le marais. Écoutez, ma petite Dan, c'est simple. Les ostoplasmes, on en trouve par milliers dans le marais, voilà. Il n'y a pas de meilleur endroit pour buter de l'ostoplasme. Voilà. Ok, on a buté tes 3 machins là. Est-ce que c'est bon? Et voilà, j'ai fait comme tu m'as demandé. On te raconte pas de salade, hein, promis, j'aurais craché. Ah, mais je le sais bien. Ah, bien, c'est toi. Les étoiles m'ont révélé que vous aviez tenu parole. Les étoiles? Mais de quoi elle parle? Bobby. What the fuck? J'ai maintenant la preuve de ton intégrité, Evan. À mon tour de tenir parole et de rejoindre ton royaume. Merci de te joindre à nous. Jetlan. Waf. C'est la race des Waf, très bien. Gamblor, c'est une adepte, c'est une novice. Elle a 35 en belly. Et elle a 80 en sort. Son savoir peut servir à l'institut de magie ou à l'hôtel de purification. What? L'hôtel de purification, qu'est-ce que c'est? Jetlag a rejoint la tribu. Tu veux apprendre le sort, Pong, c'est bien ça. La préparation est un peu complexe. Il faut se mettre là où il y a un coup. Il y a une institut de magie dans mon royaume, tu pourrais y faire des recherches. Ah, dans ce cas, je peux en effet t'aider. Ah, un tip-tap, rencontre vite au royaume pour apprendre ce satané sort. C'est la quête la plus longue que j'ai jamais vue. Il suffit de commencer les recherches sur le pont via le mode royaume. Sur le pont, via... Oui. Très bien. C'est le pont, là, ce que tu... Donc... Oh, il faut retourner là-bas. Mais what, mais ils te font faire des allers-retours de malade en vrai. Château d'espérance. Oui. Hope. Heureusement qu'il y a le mode voyage, hein. Parce que putain, si tu dois tout taper à pied. T'imagines, à chaque fois, tu tapes tout à pied, mais c'est la galère. Triangle. Il faut le construire. Gestion du royaume. Oui. Alors, à gauche. C'est à gauche, l'institut de magie. Oui. C'est à gauche. C'est pas là. Voilà. Ah mais l'Institut de Magie, je crois qu'on l'a déjà, c'est le bâtiment qui est là, je crois. Institut de Magie, il y est déjà. Assigné. Encore ? Oui. Et on va mettre Jetlag. Bienvenue Jetlag. Jetlag, la purificatrice. On cherche. Recueil de sort, non, on veut pont du coup. Pont. Oui. Recherche sur le pont était lancé. Alors faut pas que ça dure trop non plus une plombe, hein. Ça dure une minute. Ça. Très bien, bah pendant ce temps-là, on va aller voir d'autres... Hey. Toi, t'es genre, t'es le récolteur, tu vois, elle passe à chacune des portes tous les matins. Elle part... Hey, la thune, là. Hey, give me la thune, go. toi, t'as des pierres, toi. Allez, donne-moi des pierres précieuses, vas-y, go. Toi, t'as des champignons, vas-y, go. Allez, vas-y, c'est bon, ça passe. Mais écoute, on peut faire d'autres recherches en attendant. Faut passer une minute, donc je pense qu'il y a peut-être des recherches qui sont terminées. Voyons voir. Non, t'étais bien là, triangle.
gestion du royaume. Voilà, on va sur les bâtiments. Ah, voilà. Là, il y en a une qui est toujours en cours, oui, je pense. Ah bah les deux, elles sont toujours en cours, en fait. Hein. Malheureusement, ça ne... Ce n'est pas terminé. Lui, il y a ça, du coup, il y a un... Ah bah elle, du coup, c'est terminé. Bah, go. On a appris du serpent. Les recherches du serpent sont terminées. Parfait. C'est terminé tout carrément. Merci de nous avoir aidé à apprendre pont, Jetlag. Maintenant, nous pouvons créer un pont où on veut. C'est faux. Ouh, ne t'emballe pas trop non plus. Ce sort ne peut pas être utilisé partout. Le sort ne permet pas de créer des ponts, mais de révéler les pots cachés. Il servira uniquement dans les endroits spécifiques. Si tu tombes sur un endroit où tu trouverais naturel d'avoir un pont, il y a des chances qu'il y en ait un de caché. D'accord. Ah, d'accord. Mais du coup, c'est pas un pont caché, en fait. C'est un pont invisible. Tu es en mission pour Madame Irma, non? Il ferait mieux de pas la faire attendre. Oh, c'est vrai. Il faut récupérer la rose flamboyante. Encore merci, Jetlag. De rien. De rien, salut. Des bisous. Téléportation. Du coup, on retourne. Ah bah non, il faut la Gamblor parce que... Ouais, mets-toi entrée mode voyage. Celui du bas, tout en bas. Oui. Ouais, voilà. C'est terrible. C'est terrible, tellement je m'aime. On devrait faire ce virus. Alors, c'est pas là. Est-ce qu'on peut pas... Oui, si, mais là. C'est à droite. Du coup, de l'autre sens, plutôt là-bas. Tu vois. Attends, tu vois pas qu'il y a un truc qui me bloque? Si, oui, je vois que tu fais trempette. Tais-toi. Je vois que tu prends un petit bain de minuit tranquille. Je tu vois. Profite. Ah bah non, mais oui, je comprends. Non, faut que tu passes en bas, sinon t'es bloqué là. D'accord. Voilà, non, mais pour de vrai en fait. Oh, mais non, mais je peux pas sauter. Ah bah non. C'est une blague. Non, mais c'est pas pour rien. Hein, tu seras bloqué. Bah là, tu seras bloqué pareil. Mais. T'es obligé de faire le tour en fait. Oh, mais non. Ah bah oui. Eh oui, mon enfant. Eh oui. Pourquoi y a un... Un quoi? Non, c'est de la poudre, hein. C'est juste pour faire joli en fait, ça ne sert à rien. C'est de la poudre de perlimpinpin. La poudre de perlimpinpin. Je peux pas monter là. Si, tu peux passer là dans le sable et après c'est derrière. D'accord. C'est fou ce que tu fais là, c'est incroyable. Après je vais... Ben, continue tout droit, je sais pas, voilà, tu fais le tour quoi. Oh. Attention aux vivres, ils vont pas t'attaquer. Allez, on va voir le gros centaure. Bah vas-y, hein, il est ultra simple à péter. Ah bah c'est celui-là quoi, t'avais vu. Oui, c'était le pont là. Je te dis, j'ai déjà allé ici. Hein. Il disait, il était en mode, c'est bizarre, il devrait y avoir un pont ici, mais il n'y en a pas. Bah oui, du méthane, ouais. Et bah on se doute bien, ouais. D'après Madame Irma, la rose flamboyante devrait se trouver là-bas. Regarde, là, on la voit. Hey, je sais pas ce que t'en penses, mais moi, je ferais bien un pont juste là. C'est pas faux, hein. Vérifie tout de suite ce qu'il en est. Vérifions tout de suite. Pont. Vous lancez le sort. Pont. Petit pont. Et c'est le pont. De la déception. Au bingo. Mais plein dans le mille. De nouveaux articles et commentaires ont été ajoutés. Oh mon Très dieu, bien. Un pont vient d'apparaître sous mes yeux. Je ne comprends pas. Enfin, un pont. Un caillou vient d'apparaître sous mes yeux. Et comme par hasard, eh bien, c'est un coffre piraté. L'épée longue de mousse. De mousse. Exactement. Et là, du coup, c'est la petite rose flamboyante. Regarde, ça se voit, elle flamboye. Regarde comme elle flamboye bien. Oh, la rose flamboyante. L'histoire raconte que si elle perd tous ses pétales, quelqu'un meurt. Oh, pardon. Oh, super, il n'y a plus qu'à retourner voir la Madame Irma. Zou. Zou. Là, je peux. Oui, tu te TP. Genre chez Madame Irma. Vas-y. Go. Directement dans sa maison. On peut pas. Ben, devant le feng chien, du coup. Il n'y a pas un TP. La bibliothèque. La bibliothèque. Oui. Mais oui. Oui. Putain, c'était long. Ouais, j'avoue. C'est là, les escaliers. Mais bon. Mais Madame Irma, mais je m'attendais tellement à ce que, genre, que tous les livres soient stockés dans une boule de cristal ou un truc comme ça, tu vois. J'étais en mode, ouais, Madame Irma, c'est une voyante, tu vois. Ou il faut accepter le truc jusqu'au bout. Oh fuck. Alors, vous avez trouvé ma rose flamboyante? Vous avez donné la flamboyante à Irma.
Oh, c'est exactement cela. Ce rouge intense, celui que je recherchais. Cette rose porte vraiment bien son émoji petit cœur. Je dois dire que tu me surprends, Evan. Il y a bien longtemps qu'un jeune homme ne m'avait pas donné autant de plaisir. Je suis putain de gêné. J'ai encore besoin de deux services. Le suivant est compliqué à obtenir, alors ouvre grand tes écoutilles. Je veux une corne de salamandragon, il me la faut coûte que coûte. What the fuck, qu'est-ce que c'est cette merde? Au cas où vous seriez pas assez futé pour le comprendre, ça s'obtient en tuant un salamandragon. Oula, attendez un peu, ma petite dame. On le connaît, votre dragon. On en trouve dans la vallée Borasque. Allez en affronter un et est un coup à nous retrouver grillés comme des saucisses. Des paroles de lâche, vous avez des sorts de type haut, non? Votre dragon fera pas long feu face à ça. Exploiter ses faiblesses, hein? Je fais jamais penser à ça. Il faut frapper dans les couilles, c'est Evan. Il nous suffit de bien nous préparer en faisant des recherches à l'Institut de Magie. On peut retourner un machin? Oui, parce qu'on adore les allers-retours. Tant que vous me ramenez ma corne, vous pouvez faire ce que bon vous semble. Si vous en trouvez un mort par terre, y a pas de problème, hein. Ah, et prenez ça avec vous, on sait jamais. Vous tendez du vide. Le tonique végétal d'Irma. C'est de la drogue. qu'est-ce que c'est que cette merde? Un cadeau d'Irma, la magnifique. Ça vous sera très utile, donc soyez reconnaissants. C'est un seul qui a une tête de drogue. Ce tonique végétal 100% naturel est le secret de ma beauté éternelle. Je transformerai tout en belle. Qui sait, si vous l'utilisez au bon moment, il pourrait vous donner des ailes. Faites-en bon usage. Je vois mal comment ça pourrait nous servir pour battre un dragon. Sauf si c'est pour leur faire une beauté. Allez, mettons-nous en route parce que je sais pas où ils sont. Sauf qu'on va s'arrêter ici. S'arrêter là pour cet épisode avec Irma la magnifique. Amenez-moi une corne de salamandragon, s'il vous plaît. Je sens que le dernier truc, ce sera un truc encore pire. Ou alors ce sera justement un truc genre complètement ridicule. Genre un truc genre massez-moi les pieds ou un truc, tu vois. Genre un truc complètement de merde, tu vois. Non, je pense. Bref, dans tous les cas, on espère que cet épisode vous a plu. On espère que vous adorez particulièrement le personnage de Madame Irma. Et on vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouvel épisode sur Ni no Kuni 2. Et d'ici là, portez-vous bien. Allez. Bye bye. Salut à tous. Bye. Oh là, olé. Eh ben, dis mon cochon, là. Ça fait longtemps qu'un petit jeune n'a pas donné autant de plaisir. Merci, Evan.